Mesdames, téléspectateurs, bonsoir et bienvenue sur IBM Soul TV, le journal. 22e concours d'agrégation du CAMES, l'excellence académique à l'honneur en Afrique. L'ONU en Guinée, une mission pour évaluer les besoins électoraux. Sur le continent, en Ouganda, 14 réfugiés tués par la chute de la foudre sur une église. Ailleurs, dans le monde présidentiel aux États-Unis, faut de temps des violences, Washington se barricade. Voilà, mesdames et messieurs, c'était les titres. Les détails, c'est dans un instant. Encore une fois, mes téléspectateurs, bonsoir et bienvenue. Je vous l'annonce dans les titres. Sous l'autorité du Premier ministre guinéen Amadou Riba et avec la présence de plusieurs figures éminentes du monde académique africain, le 22e concours d'agrégation du CAMES s'est ouvert avec une cérémonie solennelle. Cette édition, qui se déroule jusqu'au 12 novembre, rassemble des candidats issus de 19 membres du CAMES dans les disciplines de la médecine humaine, pharmacie, odontostomologie, médecine vétérinaire et production animale. Suivez le reportage avec Kadia Tobari. Cette cérémonie marque un moment important pour les candidats venus d'horizons divers, aspirant à décrocher le titre convoité d'agrégé du CAMES. Au-delà de la compétition, cet événement constitue une occasion pour les jeunes universitaires de renforcer les standards de qualité dans l'enseignement supérieur africain et d'affirmer leur engagement envers le développement du secteur de la santé en Afrique. Le concours est reconnu pour son niveau élevé d'exigences scientifiques et académiques. Les candidats présentent leurs compétences devant des jurys d'experts à travers des épreuves rigoureuses et spécialisées. Pour les lauréats, l'agrégation représente non seulement une distinction personnelle, mais également une étape clé dans le renforcement de l'expertise dans leurs domaines respectifs, en particulier dans les disciplines médicales et vétérinaires essentielles pour le développement socio-sanitaire de l'Afrique. Le 22e concours d'agrégation du CAMES symbolise l'engagement de l'Afrique pour la rigueur académique et la recherche scientifique. Cet événement rappelle l'importance de former des experts qualifiés pour relever les défis de santé publique auxquels fait face le continent. Une mission des Nations Unies est arrivée en Guinée ce lundi 4 novembre 2024 à la demande du gouvernement guinéen. Objectif, analyser les besoins électoraux du pays en vue d'un potentiel soutien international dans le cadre du processus électoral. Suivez le détail avec Jacqueline Tonneau. La mission de l'ONU, composée d'experts électoraux, s'étendra sur une période de 2 semaines, du 4 au 15 novembre 2024. Ce déplacement intervient suite à la demande officielle des autorités guinéennes, désireuses de recevoir un appui technique pour renforcer le processus électoral. Le mandat de la mission inclut l'examen du contexte électoral actuel en Guinée, ainsi que du cadre juridique et institutionnel qui encadre les élections. Les experts devront évaluer les capacités des différents acteurs électoraux et identifier leurs besoins spécifiques. Au terme de cette mission d'analyse, l'ONU décidera des formes d'assistance potentielles qu'elle pourrait apporter au processus électoral guinéen en fonction des besoins recensés. Le rapport à venir pourrait marquer le début d'un partenariat plus étroit entre la Guinée et les Nations Unies dans le domaine électoral, renforçant la transparence et la crédibilité des élections à venir. Le 31 octobre 2024, la Guinée a perdu l'une de ses figures emblématiques, El Hadj Serouna Souma, le Kontigi de la Basse-Guinée. Ce 4 novembre, un symposium national s'est tenu au Palais du Peuple à Conakry pour honorer sa mémoire et son engagement en faveur de la paix et de la réconciliation. En hommage à ce grand leader, une délégation conduite par le ministre secrétaire général de la présidence, le général de division Amara Camara et le ministre directeur de cabinet de la présidence, Guy Badiakité, a représenté le chef de l'État, le général Mamadi Doumbouya, lors de cette cérémonie solennelle. Les images. La cérémonie d'hommage à El Hadj Serouna Souma, figure de paix et de réconciliation,
a rassemblé de nombreuses personnalités du gouvernement, des proches, des amis et de nombreux citoyens guinéens. Dans la salle principale du Palais du Peuple, l'atmosphère était empreinte de recueillement et d'émotion, alors que des discours rendaient hommage à l'homme dont la sagesse et la patience ont contribué à renforcer les liens entre les communautés de la Basse-Guinée et bien au-delà. Des orateurs ont retracé les parcours d'Elage Serouna, soulignant son dévouement sans faille pour l'unité de la Guinée. Reconnu pour son rôle dans la résolution pacifique des conflits communautaires et sa quête de réconciliation nationale, il incarnait des valeurs de tolérance et d'intégrité. Son départ laisse un vide immense et les participants ont unanimement salué son héritage de paix et de justice, rappelant à tous les nécessités de poursuivre son œuvre. Après le symposium, la délégation accompagnée des proches et de nombreux citoyens a assisté à l'immunation de cette grande figure de la Basse-Guinée. La Guinée pleure la disparition de l'âge Serouna Souma, Kountigui de la Basse-Guinée, et célèbre sa vie exemplaire. Ce symposium et cette inhumation ont rappelé l'impact profond de son engagement pour l'unité nationale. Sa mémoire continuera d'inspirer les générations futures, d'inciter à la tolérance et au dialogue. Toujours sur le plan national, cette fois-ci, c'est à l'intérieur du pays, une cérémonie d'incinération de produits périmés et de stupéfiants s'est tenue vendredi dernier à Cancan. Cette opération vise à protéger la population juvénile contre les dangers de la consommation de substances illicites et de produits nocifs. Suivez les détails avec Jacqueline Tonneau. Les autorités locales de Cancan ont procédé le vendredi dernier à une incinération massive de produits périmés et de stupéfiants saisis dans la région. Cette initiative, menée en présence de plusieurs officiels et responsables sanitaires, répond à un souci croissant de protéger la jeunesse contre les effets dévastateurs des substances illicites. Cérémonie solennelle d'incinération des produits périmés et substances nuisibles, entre guillemets, des plantes psychotropes et de la drogue. C'est à cette cérémonie solennelle qu'on a convié les autorités administratives de la ville de Cancan au niveau préfectoral et gouvernoral. Le président du tribunal de première instance de Cancan a ordonné l'incinération de ces quantités de substances nuisibles et produits périmés susindiqués saisis par les autorités judiciaires du tribunal de ce siège. Et cette date est fixée à ce jour, vendredi 1er novembre 2024. Je tiens à préciser également que cette cérémonie solennelle d'incinération constitue une des activités principales importantes allant dans le cadre de la protection de la couche juvénile. Cette action d'incinération marque une étape importante dans la lutte contre la toxicomanie et la consommation de produits nocifs à Cancan. Les autorités réaffirment ainsi leur engagement à protéger la population tout en rappelant l'importance de la vigilance et de la sensibilisation pour garantir un avenir plus sûr à la jeunesse locale. Je vous l'annonce également dans les titres, 14 personnes dont plusieurs enfants ont été tuées samedi dernier par la foudre qui a frappé une église de fortune dans un camp de réfugiés au nord de l'Ouganda. Les images. L'incident survenu dans le district de Lamwo a été confirmé dimanche par des autorités locales. Une cinquantaine de personnes, pour la plupart des réfugiés sud-soudanais de la communauté Nuère, s'étaient abrités dans cette structure métallique du camp de Palabek lors d'un violent orage. Les données que nous avons recueillies font état de 14 décès. Il s'agit de personnes décédées sur place, âgées de 9 à 21 ans. La plus jeune étant une fillette de 9 ans et le plus âgé un homme de 21 ans. En plus des victimes décédées, 34 autres personnes ont été blessées. La foudre frappe régulièrement l'Ouganda pendant la saison des pluies, causant de nombreux décès.
Le président du Nigeria, Bola Tinubu, a ordonné la libération de tous les adolescents arrêtés lors des manifestations d'août, ainsi que l'abandon des accusations de trahison qui pesaient contre eux. Suivez les détails. Au total, 76 manifestants, dont 30 mineurs âgés de 14 à 17 ans, avaient été inculpés de trahison, incitation à un coup d'État et d'autres crimes pour avoir protesté contre l'inflation galopante et la précarité économique. L'inflation atteint des niveaux records, le Naira est en chute libre et les frustrations de la population continuent de s'aggraver. Ces arrestations avaient provoqué une vive indignation et attiré de nombreuses critiques contre le gouvernement. La crise du coût de la vie au Nigeria a poussé des milliers de jeunes dans les rues des principales villes comme Abuja et Lagos en quête de meilleures opportunités et d'une réponse aux difficultés économiques croissantes. Au moins 22 manifestants ont été tués lors de violents affrontements avec les forces de sécurité. Malgré ces protestations, le président Bola Tinubu maintient ses réformes économiques qu'il considère cruciales pour stabiliser le pays. En République démocratique du Congo, les rebelles du M23 soutenus par le Rwanda ont pris le contrôle de la ville de Kamandi-Djit dans le nord Kivu ce dimanche. Le reportage avec Kadia Toubari. Après une attaque surprise contre les miliciens Wazalendo alliés à l'armée congolaise, les combattants du M23 bien équipés se sont rapidement emparés de cette localité de 35 000 habitants provoquant des déplacements de population. De nouveaux combattants ont été signalés dans les régions environnantes, notamment à Masisi et Kamandi-Port. Parallèlement, quelques progrès diplomatiques ont été accomplis dans le processus de paix de Luanda, où les experts congolais et rwandais, encadrés par la médiation angolaise, se sont accordés sur un plan de désengagement militaire et un mécanisme de vérification renforcé, piloté par l'Angola avec des officiers de liaison de la RDC et du Rwanda, sera officiellement lancé le 5 novembre à Goma pour surveiller les frontières des deux pays. Ailleurs, dans le monde, des barrières de sécurité ont été érigées devant divers édifices à Washington. Alors que le pays doit élire ce mardi son prochain président, les populations redoutent des violences. Suivez les détails. Les services de renseignement alertent la Russie et l'Iran pour envisager d'encourager des manifestations post-électorales violentes aux États-Unis. Washington se prépare au pire. Le district de Columbia se prépare à une nouvelle attaque violente des partisans de Donald Trump si ce dernier perd face à Kamala Harris. Les Américains attendent avec impatience le résultat de cette course présidentielle historique. Washington se prépare au pire. Le district de Columbia se prépare à une nouvelle attaque violente des partisans de Donald Trump si ce dernier perd face à Kamala Harris. Comme vous pouvez le voir derrière moi, le complexe de la Maison-Blanche ressemble à une forteresse. Une clôture. Et d'ajouter, les autorités fédérales et locales craignent des scènes rappelant l'assaut meurtrier du Capitole le 6 janvier 2021. Ce jour-là, une foule pro-Trump avait saccagé les couloirs du Congrès alors que le président de l'époque répandait des mensonges sur sa défaite électorale. Aujourd'hui encore, M. Trump a déjà commencé à remettre en question l'intégrité du vote avant même que les bulletins ne soient comptés, en particulier en Géorgie. Dans cet État du Sud, les hauts responsables électoraux républicains et les tribunaux ont démenti les accusations de fraude, mais cela n'a pas empêché Trump de les répéter, ce qui a créé une atmosphère de suspicion et de haine. Voilà, mesdames et messieurs, ainsi s'achève cette édition d'information. Merci de l'avoir suivi. Bonne suite de Provence, IBM TV, la chaîne panafricaine. Au revoir.